Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bélune. Bienvenue à tous. Donc, nous allons regarder la carte qui s'élève tôt aujourd'hui. Petit mélange. Carte qui s'élève tôt. Et nous avons une carte qui s'échappe. Ou qui a voulu s'échapper en tout cas. Et c'est la carte des finances et de la carrière. Tant mieux! Pour ceux qui attendaient de l'argent, ça nous parle des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, j'ai bien l'impression que pour certains, aujourd'hui, cette carte qui s'élève tôt nous parle de finances dans le couple. Parfois, ça peut générer des conflits dans le couple, oui. Dans le couple, tout ce qui est argent, tout ce qui est gain d'argent, dépenses d'argent provoquent des colères, voire des hystéries parfois et des gros conflits dans la famille en tout cas, ou surtout dans le foyer avec le couple. Bien souvent, on en a un qui dans le couple gagne plus que l'autre, donc ça fait presque des interférences, quoi. C'est qui va gagner plus que l'autre. Qui pourrait gagner plus que l'autre, on surenchère, une compétition, on va dire, pour celui qui gagne le plus. Alors, ça va nous parler de ça aujourd'hui pour vous, hein, ça va nous parler de ces problèmes qui parfois peuvent être récurrents et qui empêchent le bien-être dans un couple. Et qui parfois est la cause bien souvent de divorce. Hein. C'est la première cause, je vais dire, des divorces, l'argent. Donc c'est un problème tabou un petit peu, on n'en parle pas trop, mais c'est un problème dans les couples. Donc pour ceux qui se reconnaîtront, eh bien j'ai envie de dire, matériel, est-ce que le matériel vaut plus que l'amour qu'on peut avoir pour un individu? Donc à méditer. À méditer parce qu'il y a des choses à apprendre, côté amour, côté spirituel, côté sentiment, puisqu'on a un couple là, cette carte qui s'élève tôt nous parle de couple, donc à méditer, voilà. Je vous souhaite une très très belle journée, et pour ceux qui sont du soir, eh bien une très belle nuit, et je vous dis à très bientôt, au revoir.